Ouais, et vous? Vous comprenez que c'est la loi elle-même que, sur la dissimulation du visage intégral, que j'attaquais dans ses fondements. Et de ce point de vue, c'est toujours un peu décevant. Ceci étant, les peines ne sont pas lourdes, ça n'est pas catastrophique. Reste à savoir, et je pense qu'il ne faut pas baisser les bras, comment cette loi de 2011 peut être de nouveau combattue et comment on peut prolonger ce combat. Madame Belin, qui est une citoyenne française, a, avec son mari, dit à plusieurs reprises devant la justice que pour elle et pour eux, donc pour ce couple, la loi islamique était supérieure à la loi française. C'est un comportement qui est très grave. On ne peut pas tolérer de dérogation à l'application de la loi de la République, quel que soit le fondement de la dérogation qu'on demande. Quand on agresse, comme on l'avait dit, un policier, quand on s'en prend un policier, quand on tente d'étrangler un policier, c'est en prison qu'on doit se trouver, et surtout pas dans la rue.